Alors, les amis, nous sommes sur Farming et nous sommes au mois d'octobre. Alors, j'ai évité de vous montrer que j'avais fait de la paille, des bottes de paille. J'ai revendu le terrain ici parce que le problème, c'est que vu que j'ai pas des tracteurs assez énormes, ce qui fait que pour la montée, il ramait totalement. Ce qui fait que ça m'a permis, au niveau de la vente du terrain, de acheter ce terrain-là et ce terrain-là. C'est de la du maïs. Attendez, on va regarder ensemble. C'est du maïs, donc pour les bêtes, c'est ce qu'on recherche. Après, moi, je voulais acheter ce terrain-là. Alors, voilà les amis, j'ai acheté un nouveau tracteur, j'ai acheté une remorque. Comme ça, je pourrais les échanger. C'est des grosses bennes en fait qu'on peut mettre par terre. Donc voilà, j'avais un petit problème au début, c'est qu'en fait, je récoltais rien du tout. C'est un peu embêtant. On va la baisser. On va voir si ça marche. Ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est parfait. Donc ça c'est sympa, comme engin. Je vous ai dit, je vais peut-être chercher pour savoir si réellement ça existe, si c'est un mode pour aider les gens. Si vous avez ce mod et qu'il fonctionne pas au début, vous vous déconnectez, vous reconnectez. Après, ça fonctionne. Par contre, ça tourne. Ça tourne pas super. Donc on va voir, on va faire le changement de benne, on va ramener ça à la ferme. Après je vous ferai des petites vidéos pour vous montrer l'évolution du champ en fait. Il y a un beau bruit dehors. On sent que ça travaille. Commence à remplir l'autre. Non mais... Absolument. Alors c'est là où il y a tout le travail qui commence. Oh non non non. Non mais c'est raté là, c'est quoi ce bazar? Alors, ce sera bien de faire de l'intérieur, ce sera quand même plus cool. Alors c'est commencé le X je crois. X. Non, c'est pas le X, c'est derrière. Replier. Je me rappelle plus. Non, c'est au milieu. Ah oui.
Ouais, les amis, donc voilà, je termine ce chant qui fut très chantoyant, parce qu'il est très grand, et faire les allers, retours, voilà, c'est ce qui fut le plus long, on va dire. Donc on arrive à la fin, le problème c'est que là je crois qu'il va se mettre à pleuvoir, et s'il se met à pleuvoir, on peut plus récolter. Donc j'essaie de faire le plus vite possible. C'est soit maintenant il pleut, soit c'est à 4h. Ça sera mieux que ça soit à 4h. Je crois que c'est à 4h. Oh, ça c'est cool ça. Parce que là, franchement, ce terrain, il est énorme. Je vous raconte pas le nombre de vidéos que j'ai faites. Enfin, je l'ai pas fait en une fois. Hein. Ah ben, je l'ai loupé. Où il est le truc? Non, je l'ai pris quand même. Je l'ai pas. Bon, c'est un terrain, franchement, c'est énorme. Alors le terrain il est terminé, on va fermer ça, ça on va le monter, non on va le monter, on peut le plier, ouais, voilà. On va rentrer avec la récolteuse, l'ensileuse, plutôt, je cherche le bouton. On va revenir pour aller chercher le tracteur. Je suis bien content d'avoir terminé ce terrain, cette parcelle. Donc on va continuer, je sais pas parce qu'il va pleuvoir, donc on va continuer avec les autres peut-être un prochain jour. Il est prévu plein de pluie ces prochains jours. Donc je sais pas comment je vais faire. Donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai mis la paille hachée, il y a 401 000 litres. Ce qui est assez énorme quand même, enfin, pour moi. Mais on n'a pas terminé, c'est ça le pire. Il va falloir l'écraser un peu, la tasser comme c'est marqué en haut à gauche. Mais il va falloir aussi récolter. Et oui, j'ai encore deux terrains à récolter. Bon, ils sont plus petits, hein, ces terrains. Ce qui est un petit peu plus sympathique quand même, parce que c'est ce terrain qu'on vient de faire. Et là, on n'a plus que ces deux terrains. Ce qui fait que... je peux pas appuyer dessus pour connaître leur...
leur taille. Donc, on va y aller. Oh non. Donc c'est ce terrain-là et il y a le terrain, je crois, qui est juste au-dessus. Donc on va en faire un petit peu, puis après je couperai comme d'habitude, on va dire. Donc on va ouvrir ça. On va le baisser. On va la buse. Voilà, c'est bon, la buse, on l'a vu. Et puis on va y aller. Alors c'est des petits terrains quand même, mais ça reste que ça va bien remplir. Ah, les bêtes, elles ont intérêt à me remercier après. Hein. Donc il prévoit de la pluie mais à 19h, donc c'est bon, je crois que j'ai à peu près le temps. On va faire le tour une fois et puis voilà. Ah mince, j'ai loupé. Franchement, la vidéo, vous allez voir, vous allez la voir, elle sera assez réduite parce que sinon c'est des heures et des heures. Surtout que j'ai mis niveau 5 au niveau de la vitesse. Ah, c'est plus à moi ça. Ah, ça y est, ils ont mûri. Oh, c'est cool. Donc c'est j'ai mis 5 au niveau de la vitesse et en fait quand on passe comme ça, la journée passe super vite. C'était pas le sou... Qu'est-ce qu'il y avait à côté? Je m'en rappelle même plus. C'était des fleurs là, les tournesols. Plus facile comme ça quand même. Il suffit que je dise ça pour que je fasse une connerie, bien sûr. Ça m'étonnerait que je termine avant 7h. Bon, bah en tout cas, on se retrouve tout de suite pour la suite. Alors, la suite finie, ou la suite à cause de la pluie. Allez, à tout de suite. Et voilà, on a tout ramassé, on a tout mis dans le silo. Maintenant, il va falloir tout tasser
Et là, il y a du boulot, mais il y a franchement énormément de boulot. Nous avons yaché 612 000 litres. Donc, ce qui fait que je vais devoir faire un truc extraordinaire qui, franchement, est très instructif. On va faire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui fait que ça va être génial, là, ça se manque que 33%. Franchement, c'est magnifique. Et arriver à 100%, pour ceux qui connaissent pas, on va pouvoir bâcher. Et après, ça va faire monter. Voilà. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la fin et quand on bâchera. Voilà, sinon la vidéo elle sera trop longue. Allez, à tout de suite. Comme vous voyez, il reste plus beaucoup au niveau du tassement, il reste 2%. Après, on va pouvoir mettre la bâche et fermenter normalement. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup. Allez, les 100%. Ouais, je pense. Ah, 100%. Normalement, c'est bon. Alors, est-ce qu'on peut mettre la bâche? Recouvrir le silo, hein, c'est magnifique. Là, ça me fait plaisir. Parce qu'avec tout le boulot qu'il y a eu. Hop, voilà. Alors, normalement, voilà, ça va pas jusqu'au bout. Alors, c'est pas grave, ça, de toute façon, je pense récupérer et le mettre un petit peu plus loin. Ou je ne sais quoi. De toute façon, c'est pas bien grave. Ça fait pas très propre, mais bon. En fermentation aussi, là, 0%. Ok. Et bah voilà, c'est enfin terminé. Cette vidéo elle est terminée parce que c'était spécial ensilage et spécial enfin fermentation, spécial bâche on va dire. Donc je vous en remercie d'avoir regardé, n'oubliez pas de laisser des messages, etc. etc. Vous savez comment il faut faire. Je vous souhaite une bonne journée. Allez, bye bye.